Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing plus le make-up de la box d'octobre de Pélouise. Donc, il s'agit de la budget box d'octobre. Petit rappel, elle est à 36,95€. Vous avez des abonnements aussi. Si vous prenez par abonnement, vous avez à chaque fois une box offerte. Donc, si vous prenez 6 mois, vous avez une box offerte. Si vous prenez un an, vous avez deux box offertes. Voilà. Ce qui revient exactement au même. Je n'ai encore pas eu de frais de douane. Yes, j'en ai même pas eu pour le calendrier de l'avant. Wouhou, là, c'est encore plus mieux. Le calendrier, on découvrira ça ensemble en vidéo tout le long du mois de décembre. Alors, dans celle-ci, vous aviez palette. Et c'était, ça y est, j'ai le nez qui coule, c'était random, il y avait deux palettes. Il y en a une que j'ai totalement craqué dessus, que j'espère avoir, et j'avais dit, si jamais je ne l'ai pas, je la commanderai. On va voir après, je l'ai enlevée, hein. Vous ne la verrez pas tout de suite, je vous montrerai à la fin si j'ai eu celle que je voulais. Voilà. Et à la fin, en musique, je vous ferai le petit make-up justement avec la palette. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 produits à l'intérieur que je vais vous énumérer en tweet. Et maintenant, j'ai un chat dans la gorge. Alors, tout d'abord, il y avait un petit porte-clés et la chaîne comme ça, de sangle de téléphone. La chaîne avec un truc, c'est 12,95€ et le porte-clés, c'est 12,95€. Donc là, je ne sais pas s'il faut compter les deux. On va compter que 12,95€ pour être sûr, parce que c'est peut-être la même chose en fait. Je ne sais pas trop. Mais on va compter 12,95€. Donc clairement, moi, ce n'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Hein, mais voilà. On a à l'intérieur une boîte de 3 fossiles et j'adore ces fossiles. Il coûte la peau du cul, hein, par contre. Voilà, parce que c'est quand même 13€ la paire. Et en coffret de 3, c'est à 36,95€. Et je me suis trompée par rapport à la dernière box. Nous avons le Pat Beach Energy. Donc celui-là, je le garde parce que c'est à la cerise noire. Et j'adore. Donc à l'intérieur, vous avez un duo de soins pour les lèvres. Il y a un gel hyper hydratant et une espèce d'huile à lèvres avec le petit capuchon en couronne. J'adore ces produits. J'adore. Et celui-ci, il est au goût de la cerise noire. Donc je pense que c'est celui que je vais préférer jusqu'à maintenant. J'avais beaucoup aimé la cannelle. L'autre que j'ai en bas, c'est pain d'épices, un truc comme ça. J'aime un peu moins. Donc je pense que je vais très vite ouvrir celui-ci. Voilà. Et ça, il faut que je vérifie le prix, parce que du coup, je me suis trompétée. J'ai mélangé les deux box, celle de ce mois-ci et celle du mois prochain, que j'ai trop hâte de recevoir. Alors, Pélouise. Les Bad Peach. Alors, nous allons aller dans lèvres. Je vais aller dans toutes les lèvres. À mon avis, ça va être le premier qui va sortir. C'est au prix de 26,95€. Donc, j'ai pas de quoi noter. De toute façon, j'en ai pas besoin de renoter. Et alors, la palette. Vous recevez ça dans une boîte. C'était random. Je vais essayer de vous afficher, une fois que je vous aurai montré celle que j'ai, de vous afficher la seconde. Non, parce que il y a 3 pages dans la palette. Donc elle se présente comme ceci et j'ai eu celle que je voulais avec le château. Donc pour celles qui ne savent pas quoi me mettre en commentaire, bah mettez-moi un petit truc en lien avec les châteaux de princesse. Voilà, princesse, château, magie, je ne sais pas trop. Alors normalement elle s'allume, mais je ne sais pas comment faire pour l'allumer. Ici vous avez donc la première. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bah alors. Voilà. Vous avez la première page ici avec le château et la pile.
Alors, à mon avis, il y a une protection à l'intérieur, il faudrait que je regarde, mais là, je ne vois rien à tirer, parce que normalement, quand on l'ouvre, elle est censée s'allumer. Ici autour, il y a des petites loupiottes roses. Voilà, bon, c'est très gadget, on s'en fout. Sur la première page, vous avez toutes les teintes grises que je voulais absolument. J'adore le gris en make-up, l'argenté. Ici, vous avez un magnifique noir pailleté. Celui-ci, il est assez original, il est un peu... je sais pas. Ensuite, vous avez des teintes un peu plus nude vertes. Vous voyez, il y a deux kakis ici magnifiques. C'est entre le gris chaud et le vert, j'ai envie de dire. Et ensuite, une page de nude, bien évidemment, avec du doré, puisque c'est la marque de fabrique de Pelouis, c'est beaucoup du nude avec du doré. Donc, je la trouve très, très, très jolie. Je suis hyper contente. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez de nouveau le château avec des petites phrases. Je suis hyper contente d'avoir eu celle-là. C'est trop celle que j'espérais. Et les palettes coffrets, comme ça, elles sont à 48,95 €. Donc, autant vous dire que rien que déjà, avec les trois fossiles, j'avais rentabilisé ma box. Donc, tout le reste, c'est tout béné. Mais du coup, il faut que je recalcule, puisque... combien j'ai dit les... 26,95 €, vu que je me suis vraiment emmêlé les pinceaux. Donc, on va faire le total que j'ai. Moins la base que j'avais notée qui sera dans la prochaine box. Moins le fixateur qui, pareil, sera dans la prochaine box. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Plus les 26,95 € du Bad Beach. Et du coup, on est à 125,80 €. Autant vous dire que cette box est la plus belle que j'ai eue jusqu'à maintenant. C'est celle que je préfère. Sur les 4, je crois que j'en ai reçu 4. Oui, 4, il me semble. Et que clairement, je la reprends toute l'année prochaine au minimum, quoi. Voilà. Donc, pour celles qui tomberaient sur ma vidéo par hasard, sachez que les produits que je ne garde pas dans les box jusque décembre, enfin novembre, on va dire, vont dans les lots des concours. La plupart, on va dire. Ensuite, l'année prochaine, je pense qu'à partir de janvier, je ferai gagner, s'il y a des produits que je ne garde pas, je les ferai gagner au fur et à mesure des mois. Comme ça fera un petit concours chaque mois. Et comme j'ai gardé d'autres produits, il y aura ceux du calendrier de l'Avent aussi. Donc voilà. Si vous voulez gagner des petits produits Pelouise tout au long de l'année prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser là en musique avec le make-up. J'ai utilisé que la première page de cette magnifique palette que je voulais absolument. Sur les lèvres, j'ai mis mon petit jumbo Maybelline. J'ai mis du crayon argenté de chez NYX en muqueuse et sur mes cils inférieurs. Et j'ai fait un petit trait de liner rose avec le liner Pelouise à paillettes qui sont canons. Ils ont sorti toute une nouvelle collection. J'espère en avoir prochainement. Voilà. Donc, vous pouvez déjà mettre le pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme je vous ai dit, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, je sais que maintenant vous aimez beaucoup ça, le jeu des petits émoticônes. Mettez-moi un emoji qui a un rapport avec les châteaux et les princesses. Voilà, celui que vous voulez. Et donc moi je vous dis, on y va pour le make-up en musique.